Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 26 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Ancenis. Quatrième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. C'est une nouvelle fois un gros quintet parisien qui s'offre à nous avec cette belle épreuve dominicale qui verra le parcours des 2850 mètres être emprunté par les prétendants au titre. Une fois encore, les compétiteurs se tiennent de près et même si nous avons de très belles bases avant coup, la lutte pour les 27 000 euros promis aux lauréats s'annonce féroce. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Eagle Mélois. Cheval de classe, entraîné par un certain Pierre Beloche, il sera drivé par un Alex Abrivard qui connaît toujours une belle réussite pour la casaque de l'écurie du Bois d'Oufray. Troisième récemment et ayant montré qu'il n'était pas mort, il peut renouer avec le succès aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 8, Eddie Duvivier. Véritable base Quintet Plus puisqu'il termine à chaque fois dans les trois premiers, il devrait encore une fois faire plaisir à la famille Terry. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Diamant Rock. Bertrand Le Belair l'estime depuis toujours et pense que face à une telle opposition, il est largement capable de tripler la mise, lui qui reste sur deux belles victoires. En quatrième position viendra le numéro 5, Vlad Del Ronco. Laurent-Claude Abrivard l'aime bien et Léo, son pilote, s'entend parfaitement avec lui. Déféré des 4 pieds, restant sur 2 troisième places, il peut une nouvelle fois terminer dans les 5 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Cimarron. Mathieu Varin le trouve en très grande forme et comme Mathieu Abrivard réalise une année 2021 exceptionnelle, il faut le retenir en haut rang car il devrait terminer dans les 5 premiers. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Duc de Cristal. Performant depuis qu'il a rejoint les box de la famille Cuillet, il pourra compter sur l'aide du double sulky d'or en titre, un certain Eric Raffin. En avant-dernier choix, le numéro 16, Dimo Docagne. Piloté par Gabi Gelormini, plus riche de l'épreuve et déféré des 4 pieds, il aura logiquement de nombreux fans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Cadet. Benjamin Goetz ne fait jamais appel au service de Franck Nivard sans raison, et si c'est le cas une nouvelle fois aujourd'hui, c'est que le professionnel y croit. En cas de non-partant, le numéro 13, Espoir Delphini, plus connu sous la selle mais réalisant parfois de belles performances à l'attelage, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiers ses cartes et Quintet Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Une nouvelle fois, merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain, le tout en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes Quintet et surtout...